Bonjour, bienvenue sur Bonimprof TV. Alors, si nous parlions un petit peu délocalisation, qu'est-ce que la délocalisation ? C'est tout simplement une entreprise qui va transférer tout ou partie de sa production dans une entreprise d'un autre pays. Alors, quelles peuvent être ces activités transférées ? On va avoir des activités de production. Par exemple, Renault, qui a fait fabriquer toute la gamme Dacia en Roumanie. On peut aussi délocaliser les activités de service. Tous les centres d'appel de SAV, de service après-vente, peuvent aussi être réalisés de l'étranger. On peut aussi délocaliser les secteurs de recherche et développement. Je prends un exemple, on va dire inverse. Au Japon, le groupe Canon a délocalisé une partie de sa recherche et développement à Rennes, en France. Alors, comment peut se faire la délocalisation? Vous allez voir qu'il y a quatre moyens. C'est pas très compliqué. Enfin, c'est compliqué quand on veut le faire, mais c'est simple à retenir. Première chose, création d'une unité de production à l'étranger. Tout simplement, voilà, on va créer une nouvelle entreprise ailleurs. Développement d'une unité de production existante. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une de nos usines à l'étranger existe, on va l'agrandir. Acquisition d'une unité de production existante. Là, on va acquérir un concurrent à l'étranger et donc utiliser ses moyens de production. Ou alors faire appel tout simplement à un sous-traitant. Et là, ça fait appel donc à la vidéo sur la sous-traitance. Si vous avez un petit doute, elle s'affiche en haut à droite. Continuons. Pourquoi délocaliser ? Quels sont les buts de la délocalisation ? Le premier but, c'est généralement baisser les coûts, c'est-à-dire principalement la main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on délocalise dans des pays où la main-d'œuvre est pas chère. Mais il peut y avoir aussi une délocalisation pour se rapprocher des ressources naturelles et limiter les coûts du transport. Il peut y avoir aussi une délocalisation fiscale, ce qu'on appelle le dumping fiscal. Par exemple, en Europe, il peut y avoir des sièges sociaux qui vont s'implanter au Luxembourg parce qu'il n'y a pas d'impôts, ou en Bulgarie, ou en Roumanie, là aussi, il y a très peu d'impôts. On peut aussi délocaliser pour avoir accès à de nouveaux marchés. Par exemple, Renault a des usines sur la Chine, tout simplement pour conquérir le marché chinois. Réglementation moins stricte. Ben oui, dans un pays, on peut avoir des réglementations très strictes au niveau social, au niveau environnemental. À partir de là, on va délocaliser pour aller dans des pays où c'est plus souple. Améliorer la compétitivité. C'est un peu un ensemble. On cherche à fabriquer mieux pour moins cher. Donc, on améliore notre compétitivité et on va pouvoir gagner des parts de marché. Alors, il y a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'on a une perte d'emploi dans le pays d'origine et aussi une perte de savoir-faire. On peut avoir des problèmes de qualité. Ah oui, quand on fait fabriquer à l'autre bout du monde, il faut quand même des contrôles pour vérifier la qualité. On peut aussi avoir des problèmes en matière de piratage de nos technologies. Quand on fait fabriquer très loin, on peut se faire pirater nos technologies, ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, la propriété industrielle. On peut avoir des problèmes de communication et de coordination. Problème de communication, on peut transférer dans un pays où la culture n'est pas la même, où la langue n'est pas la même, donc là, il y a une adaptation aussi à avoir. On peut aussi avoir comme problème l'impact sur l'environnement, l'image de l'entreprise. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits avec une certaine éthique, d'où le commerce équitable par exemple. Le commerce équitable, pareil, en haut à droite, si vous voulez, il y a une vidéo qui explique ce que c'est. On peut aussi avoir des risques de dépendance. Là aussi, c'est lié à la sous-traitance. Notre sous-traitant, s'il est le seul à fabriquer notre produit, il va être en position de force, tout compte fait. Et puis, les problèmes de relations internationales. On le voit bien actuellement avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le gouvernement français a demandé aux entreprises françaises qui avaient des installations en Russie de ne plus commercer avec la Russie. C'est une sanction vis-à-vis de cet agresseur. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la délocalisation. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager ma chaîne. Merci, au revoir.